crypto, c'est 30 minutes de live tous les vendredis en partenariat avec Bit4You et Girlik. Donc ces 30 minutes, l'idée, c'est vraiment de décrypter le monde des crypto-monnaies, de la blockchain, de rendre ça accessible à tous. Et aujourd'hui, Marc et Sacha, nous avons la chance et l'honneur d'avoir un invité de Marc qui est Bruno Coleman. Alors, est-ce qu'on peut encore le présenter? Financier, économiste, mais en même temps CEO de la banque De Groof Petercam. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour bonjour Bruno. Sacha, je ne vois Bonjour. pas. Alors, aujourd'hui, donc l'idée toujours de ce 30 minutes de live, c'est un peu connaître un peu votre point de vue, hein, Monsieur Coleman, et puis surtout de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et comment ça peut impacter le monde des crypto-monnaies et comment est-ce qu'on peut justement positionner les crypto-monnaies, la blockchain, finalement dans la banque qui est qui doit évoluer aussi avec toutes ces tendances. Oui. En tout cas, merci de m'avoir invité. Alors, parler de monnaie, c'est compliqué parce que il n'y a personne qui a vraiment compris la monnaie. C'est un phénomène de confiance parce que finalement, la monnaie n'existe pas à l'état naturel. On peut trouver des biens pour l'échange, hein, c'était du bétail, des pierres précieuses, du cuivre, de l'or, de l'argent, mais finalement, tout repose sur une convention. La convention, c'est que l'autre personne qui reçoit la monnaie qu'on utilise reconnaît la monnaie et lui donne le même pouvoir d'achat. C'est aussi simple que ça. Donc, si on décide tous entre nous aujourd'hui de faire une nouvelle monnaie qui soit non falsifiable, elle pourra commencer à avoir vie pour autant que chacun d'entre nous lui donne un attribut de confiance et surtout une prévisibilité dans la valeur. C'est-à-dire qu'on sait que si on reçoit un billet de 5 euros, de 5 dollars, on peut plus ou moins acheter un Big Mac, une frite, un Coca. Et il faut que cette convention soit partagée. Donc, comme une religion, une monnaie a besoin d'adeptes. Il faut en permanence évangéliser. Mais comme les religions, les monnaies disparaissent. Il y a 60 000 devises qui nous ont précédées, avant celles qu'on utilise aujourd'hui. Je ne parle même pas des cryptos, je parle des monnaies traditionnelles. Alors une monnaie, en fait, s'impose d'abord de manière géographique. C'est-à-dire que quand on prend le fil de l'histoire, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui commerçaient et qui voyageaient peu. Entre elles définissaient des monnaies, et puis que progressivement, quand l'échange commençait à se déplacer un peu géographiquement, il fallait ou bien imposer sa monnaie aux personnes avec lesquelles on commerçait, ou bien accepter un cours de change avec une autre devise, une autre monnaie que d'autres pouvaient utiliser. C'est ainsi que les monnaies se sont développées par géographie au cours de l'histoire. C'est intéressant de voir que pendant très longtemps, la monnaie était valeur, c'est-à-dire c'était une pièce d'or, c'était une pièce d'argent, un diamant. Une monnaie, c'est un peu, je veux dire, un peu scandaleux de le dire, mais une monnaie qui a souvent été utilisée dans l'histoire, c'est les esclaves. Oui, c'est vrai. Les esclaves, qui d'ailleurs étaient achetés par pair et qui devaient procréer, puisque la monnaie, elle est validée aussi par son taux d'intérêt. C'est-à-dire, pour être sûr que la monnaie existe vraiment, il y a un taux d'intérêt qui est payé pour être plus ou moins certain que quand on dépose de la monnaie auprès de quelqu'un, il existe toujours. Et bien, les esclaves étaient achetés par couple, puisque, et on les poussait d'ailleurs à faire des enfants, puisque voilà, c'était le taux d'intérêt sur la monnaie. Et puis alors, un détenteur d'esclaves pouvait progressivement avoir des générations d'esclaves. Et ça a duré jusqu'à pas longtemps, hein, puisque je me souviens avoir visité il y a 2-3 ans la propriété d'un ancien président américain du 19e siècle qui avait dans son cimetière des esclaves qui avaient été utilisés comme paiement de dettes. Alors, à un moment, la monnaie est devenue représentation de valeur, plutôt que valeur. Et ça, c'était toute l'invention de la monnaie papier, qui a commencé en 1715. C'est John Law, hein, qui était une espèce d'escroc banquier fantaisiste qui a développé ça en France, je crois qu'il était écossais d'origine. Et donc, on a commencé à remplacer la monnaie qui avait valeur par sa représentation. Bien sûr, il fallait en permanence s'assurer que la représentation de la valeur, le papier, était garantie par quelque chose. Ça, c'était l'échec des premières tentatives. En fait, cette monnaie n'était garantie par rien, ou par des choses assez peu tangibles. Et donc, l'histoire de la monnaie, c'est que on a pendant très longtemps garanti la monnaie parce qu'elle était avant, c'est-à-dire de l'or ou de l'argent. Et l'échange était garanti, ou en tout cas l'émission était garantie par des banques centrales ou des banques commerciales qui disaient bien, voilà, j'émets une représentation de monnaie papier, mais je garde l'or
au cas où vous voulez tout d'un coup transformer votre représentation de monnaie, c'est-à-dire le billet, par de l'or. Mmh. Et alors, ça a fonctionné vaille que vaille, parce que vraiment, les premières tentatives de monnaie papier n'ont pas fonctionné. Il y a une tentative très très connue qui a consisté à... On les assigna, la Révolution française. En fait, l'idée du gouvernement révolutionnaire, c'était d'émettre une monnaie qui était garantie par les biens de l'Église qui avaient été confisqués. Et comme cette période était un peu tumultueuse, l'État français, c'est la Première République finalement, a demandé que les Français apportent leur or en contrepartie du papier, ces fameux assignats. Et puis l'État français s'est dit, ben, tant qu'à faire, autant imprimer des assignats autant qu'on peut. Et donc ça a conduit à la ruine complète. Et Napoléon a réinstauré d'ailleurs, lorsqu'il était sacré empereur, le franc or qui a subsisté jusqu'en, je crois, 1929. Et donc, c'est, le 19e siècle, c'est vraiment une oscillation entre la monnaie papier et la garantie par l'or, par l'argent, avec le système de lignes métalliques. Et jusqu'au 20e siècle, parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, on a réinstauré dans les pays, la plupart des pays, un étalon or. Ça s'est appelé les accords de Bretton Woods, au terme desquels, sans qu'on puisse obtenir la conversion de sa devise en or, ben, les devises étaient toutes garanties par un certain poids d'or, dont le franc belge à l'époque. Et donc, comme chaque devise était déterminée par un poids en or, toutes les devises avaient un cours de change fixe les unes par rapport aux autres. Et alors en 71, c'est vraiment une histoire, enfin une année majeure dans l'histoire de la monnaie, le système a explosé. Les Américains ont décidé de mettre fin à ce système le 15 août 71, et donc toutes les monnaies ont commencé à flotter et à perdre leur convertibilité en or. Elles avaient en fait en vérité perdu auparavant parce que à la fin de Bretton Woods, seules les banques centrales pouvaient encore s'échanger de l'or, les particuliers ne pouvaient pas le faire. Et là, la représentation, plutôt hallucinative, hein, de conversion en or a disparu. Et depuis, maintenant, on est dans un système de monnaie flottante. Elles ne sont garanties par rien. Elles sont garanties, en fait, par l'échange, par la confiance qu'on leur attribue. Et en fait, une monnaie, elle a deux fonctions. Elle a une fonction de transaction, une fonction de thésaurisation. Si une monnaie ne peut pas être thésaurisée, qu'elle ne peut pas être mise dans un coffre, imaginez qu'elle soit, elle doit être en permanence, être consommée, ça veut dire que dès qu'on a cette monnaie, on doit immédiatement l'utiliser, et la personne qui le reçoit doit immédiatement l'utiliser, immédiatement, et finalement ça conduit à ce qu'on appelle l'hyperinflation. C'est-à-dire qu'à un moment, la monnaie brûle les doigts, dans tous les sens du terme, il faut s'en débarrasser parce que tout maintien de la monnaie n'est pas possible, elle meurt si on la met dans un coffre, donc elle circule trop vite. Et inversement, si on avait une monnaie qui ne pouvait être que thésaurisée, mais pas utilisée pour des transactions, comme l'or, ben c'est une monnaie qui est hyper déflationniste. Si vous avez des pièces d'or dans un coffre, ben vous ne pouvez pas prendre vos pièces d'or et dire « voilà, je l'utilise pour acheter une voiture, un gâteau, un éclair au chocolat, que sais-je ». Et donc c'est une monnaie qui est déflationniste puisqu'on ne peut pas l'utiliser. Elle n'est qu'en attente de quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'une monnaie doit trouver son équilibre entre la thésaurisation, qui est déflationniste, on garde son argent, et la monnaie qui est uniquement utilisée pour la transaction, qui est inflationniste. Donc elle doit avoir ces deux fonctions. Et comment est-ce qu'on réconcilie ces deux fonctions? Ben, en fait, normalement, par un taux d'intérêt. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un, voilà, si tu gardes ton argent, pour éviter que tu thésaurises trop ou pas assez, on va donner un prix à la thésaurisation. C'est le taux d'intérêt. S'il est trop important, les gens thésaurisent trop. S'il n'est pas assez important, les gens ne thésaurisent pas assez. C'est d'ailleurs maintenant pour ça que les banques centrales ont imposé des taux d'intérêt négatifs, avec l'idée que la thésaurisation soit découragée. On dit à quelqu'un, voilà, si tu mets son argent sur un compte en banque, eh bien en fait, tu vas perdre ton pouvoir d'achat parce que le taux d'intérêt est négatif. Et on va lui dire, mais alors, tu vas consommer. Alors, ça marche pas très bien, mais c'était un peu l'idée à la base. Alors, l'autre chose, c'est qu'en fait, dans la monnaie, il faut comprendre... C'est un concept qui est parfois un peu lourd à diffuser. C'est à la fois un stock et un flux. En fait, il y a ce qu'on appelle la monnaie de base, je parle des monnaies traditionnelles, hein, qui est la monnaie banque centrale, donc la monnaie qui est émise par les banques centrales. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales émettent de la monnaie, un stock de monnaie, qui est mis à disposition des personnes, des agents économiques. Et ce stock de monnaie, ce n'est pas que les pièces et les billets,
c'est aussi l'argent que les banques centrales créent en compte. Parce qu'il n'y a pas de raison que les banques centrales impriment physiquement ou battent, comme on dit, battent monnaie tout ce qu'elles fabriquent. Et normalement, cette monnaie créée par les banques centrales sert d'amorce à l'autre monnaie, qui est celle créée par le circuit bancaire. C'est-à-dire que quand vous déposez un euro venant d'une banque centrale, physique ou pas physique, c'est pas important, dans une banque, et cet euro, bien sûr, la banque peut le thésauriser, elle va le garder dans son bilan, mais alors la banque devient un coffre-fort qui est stérile, qui est infécond dans tous les sens du terme. Donc pour féconder la monnaie, eh bien on va, la banque va le prêter à quelqu'un. Cette personne va utiliser la monnaie, va mettre en œuvre des transactions, et in fine, ça va tomber dans la poche d'un autre agent économique qui va le déposer en banque. Il y a ce qu'on appelle alors le crédit, le multiplicateur du crédit, qui fait qu'un euro en fait plusieurs. Donc le stock de base commence à faire un flux qui s'embobine, qui s'enroule, et ça fait plusieurs euros. Bien sûr, si on prend toutes les banques et qu'on consolide leur bilan, on les met en un, ben, on n'aura qu'un euro qui va apparaître, évidemment. L'euro n'a pas généré d'autres euros, mais en attendant, ça peut faire des euros. C'est pour faire un parallèle, c'est le fameux... C'est cette fameuse fable du type qui va dans un hôtel et qui dit, voilà, je prends une chambre, et voilà la compte, et il donne 100 euros à l'hôtelier. Puis l'hôtelier qui reçoit 600 euros se dit, ah oui, bon, ben, ça tombe bien, il faut que je paye ma femme de ménage, je lui donne à la femme de ménage, il rembourse sa dette. Et puis la femme de ménage se dit, ah ben, ça tombe bien, j'ai oublié de payer mon boulanger qui paye. Et puis le boulanger dit, ah oui, j'ai oublié de payer mon vendeur de farine qui paye. Et puis finalement, il y a un type qui dit, ah oui, mais je devais 100 euros à l'hôtelier qui revient. Donc toutes les dettes ont été nettoyées, le flux monétaire s'est mis en route, et puis à la fin, le type qui prenait sa chambre d'hôtel, il dit « tout compte fait, je n'ai pas envie de rester ici, je m'en vais », il reprend ses 100 euros, il s'en va. L'argent n'a pas bougé, mais a circulé. Et donc, quand on prend cette fable, qui est un peu simpliste, hein, la monnaie de base, c'est les 100 euros que le type a payé pour réserver sa chambre d'hôtel, et le flux, c'est toute cette espèce de migration entre les dettes et les créances qui a bougé jusqu'au moment où ça se termine. Donc, l'euro qui a circulé parmi chez l'hôtelier, le boulanger, la femme de ménage, le producteur de farine, mais n'en a pas créé d'autres. C'est simplement un flux qui tourne sur lui-même. Parce que si à un moment, on fusionnait le boulanger, l'hôtelier, le vendeur de farine, la femme de ménage dans une seule personne, on aurait bien sûr que les mêmes 100 euros qui sortent. Mais en attendant, ça permet de faire bouger les choses. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, dans l'économie contemporaine, c'est que ce flux ne fonctionne pas assez vite. Pour plein de raisons, hein. Les gens ont peur de l'avenir, épargnent trop, ne consomment pas beaucoup, le Covid ne facilite bien sûr pas les choses, les gens veulent une épargne de précaution, ils veulent garder l'argent, les gens aussi vieillissent, et on se rend compte malheureusement que plus une population est vieillissante, plus les gens épargnent. Bizarrement, on pourrait se dire de manière un peu cynique, plus je vieillis, ben, plus je consomme, hein, finalement, tant qu'à faire, autant faire le plus beau voyage et aller dans les meilleurs restaurants du monde, mais les gens ne sont pas comme ça, ils ont peur. Et donc, les banques centrales impriment beaucoup de monnaie, aident à refinancer les États pour faire tourner, pour compenser ce manque de flux, donc ce manque d'enroulement de la monnaie par un stock qui augmente dans leur bilan. Mais justement, est-ce que cette monnaie ne se dévalue pas parce que la planche à billets fonctionne en permanence? Et donc, c'est comme si il y avait de plus en plus de monnaie qui était, voilà, qui était mise en circulation, contrairement à la crypto-monnaie qui est, sait, après, il y a un stock limité et on sait exactement quand est-ce que, je sais pas moi, le Bitcoin, par exemple, c'est en 2100 et quelques, il n'y aura plus qui seront mis en circulation. Je pense qu'il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que quand on imprime beaucoup de monnaie, on valide la monnaie, on la rend de plus en plus incontestable, parce qu'elle est de plus en plus abondante. Et le risque à un moment, c'est qu'il y ait trop de monnaie par rapport à ce que le cycle de production et d'investissement est capable de générer. C'est un peu comme si on met, on a une éponge, sèche, fait, on met de l'eau, donc la monnaie va, l'éponge va gonfler, et puis à un moment, ben, l'éponge ne sera pas capable d'absorber le surplus d'eau, ça coule, donc la monnaie vaut moins parce qu'elle tombe, dans l'évier. Une monnaie qui vaut moins, qui a moins de pouvoir d'achat, ça s'appelle de l'inflation. L'inflation, ce n'est pas l'augmentation des prix par la rareté, c'est le fait qu'il faut plus d'unités monétaires pour acheter le même bien. Donc voilà, ça c'est gros les monnaies traditionnelles.
Et pour s'assurer qu'on ait une conviction forte dans la monnaie, on donne ce qu'ils attribuent ce qu'on appelle un cours légal. C'est-à-dire, ils disent, tu dois utiliser cette monnaie. Si vous dites, par exemple, voilà, je vais acheter un éclair au chocolat et vous donnez un dollar au gars qui est au boulot, enfin au pâtissier, vous ne pouvez plus l'accepter parce que, voilà, il se dit, je vais aller aux États-Unis un de ces jours et c'est pas grave. Et comme il peut très bien dire, mais non, je n'accepte pas votre dollar, moi je veux un euro. D'ailleurs, je referai un parallèle avec la monnaie, je parlerai après des bitcoins, c'est qu'en fait, c'est très intéressant de voir d'où vient, quelle est l'origine du mot monnaie. Souvent, dans l'histoire des mots, tout est dit. Hein. La monnaie, ça vient du verbe latin monere, qui veut dire avertir. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Junon, qui était la femme de Jupiter, c'est sa femme et sa sœur, ce qui est un cas d'inceste un peu flagrant, je pense. En fait, Junon, c'est la déesse mère. Donc, dans toutes les religions, il y a une déesse mère. Sauf dans la religion catholique, une déesse mère qui est la déesse de la fécondité. Je reviens. Et donc, c'est dans le temple de Junon qu'on a imprimé les pièces de monnaie à Rome, dans la Rome antique. Et en fait, Junon était en même temps, c'est dans ce temple qu'aurait été, bon, alors c'est une fable évidemment, qu'auraient été gardées les oies du Capitole. Vous savez, les oies sont les meilleurs chiens de garde. Hein, et donc, il y avait averti les Romains, par des cacatements, je crois que des barbares arrivaient. Et donc, Junon s'appelle Junon Moneta, Junon qui avertit. Et donc Junon, c'est qui avertit. Et comme on imprimait les pièces sous son temple, la monnaie est née de cet avertissement. Donc la monnaie possède un avertissement. Et quand je parlais de la fécondité de la monnaie par le flux, sans être outrancier, ça ramène au flux séminal de la fécondité, puisqu'en fait Junon, c'est la mère cosmique, c'est la mère de la fécondité, de l'enfantement. C'est la déesse de la voie lactée. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle lactée ? Parce qu'en fait, certains l'assimilaient au sein maternel qui donnait du lait. Ça paraît blanc. Donc, voilà. Donc tout ça montre bien que la monnaie, quand je dis que c'était proche des divinités, ça l'est, mais c'est proche aussi de la perpétuation de l'espèce. Et alors, bon, les monnaies nouvelles qui apparaissent sont des monnaies, en fait, finalement, qui ont beaucoup d'avantages, beaucoup d'intérêts. Et c'est d'ailleurs pour ça que les banques centrales sont très hésitantes et, bien sûr, gardent le privilège de pouvoir imposer aux monnaies traditionnelles le cours légal. Mais en même temps, ces monnaies sont intéressantes parce que ce sont des monnaies un peu dissidentes. Ce sont des monnaies qui sont faites pour échapper au circuit traditionnel. Alors, c'est un stock, comme vous le disiez très justement, c'est un stock de monnaies. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas le proroger. Mais un jour, on pourra le proroger. Parce que si un jour, moi, je fais une banque Bitcoin, que j'accepte des Bitcoins et que je prête en Bitcoin, je peux créer une amorce de flux monétaire et avec un Bitcoin, en faire plusieurs. C'est comme l'histoire du Libra. Oui, bien sûr, le Libra sera garanti. On voit plus ou moins à quoi ça va correspondre par des Libra, i-dollar, euro, machin, yen, franc suisse, que sais-je. Et si un jour, une banque décide de donner un crédit en Libra sans en posséder, eh bien, ça veut dire que on peut rentrer dans un flux monétaire. Donc, le stock peut devenir un flux. Vous allez dire que je fais beaucoup de références religieuses, mais en réalité, Jésus était un dissident à Rome. Il ne faut quand même pas oublier que Jésus était mis à mort. Hein, par son peuple, par les Romains, encore l'histoire de Ponce Pilate. Mais trois siècles plus tard, sous Constantin, ou quatre siècles à peu près, Jésus, le rebelle, avait fait une religion qui est devenue une religion d'État. Donc le danger des devises, des monnaies parallèles, quelles qu'elles soient, c'est qu'à un moment, elles soient accaparées par les États qui, en fait, en tolèrent l'utilisation ou, au contraire, contraignent l'utilisation. Pour éviter que la dissidence ne se développe, quoi. Voilà. Bruno, je te remercie pour ce petit historique. En fait, nous avons pour l'instant Christine Lagarde qui va dans le sens de la technologie. On parle véritablement de Bitcoin, mais on parle d'euro digital, on parle de central bank digital currency.
Il y a aussi un point à relever. Donc, il y a un nouveau rapport qui est sorti de la Banque Centrale Européenne il y a 4 heures, donc je ne pense pas que tout le monde en ait pris déjà connaissance. Mais nous avons entendu des déclarations en Wallonie où certaines personnes voudraient lancer et battre une monnaie locale pour pouvoir favoriser des échanges entre entreprises wallonies. Que penses-tu de cette manière de fonctionner et de créer de la monnaie? Oui, j'avais été interrogé dans l'UQO à ce sujet-là. Moi, je pense que. Donc, d'abord, toutes ces monnaies, en fait, suivent le principe de la monnaie de Geisel. Geisel était un Allemand et Belge à la fois, parce qu'il était né assez vite. Et c'était, il faut parler de son histoire. Ça vaut la peine de regarder un peu ce que ce type a fabriqué. En fait, il était né assez vite à l'époque où, avant 1418, donc à l'époque où les cantons alémaniques, enfin, non, c'est pas alémaniques, allemands n'étaient pas encore, n'avaient pas été redonnés à la Belgique, donnés à la Belgique, pardon, comme dommage de guerre par le traité de Versailles. Et donc, c'est lui qui avait. C'est pas mal cette théorie, finalement. Et même Keynes en a parlé longuement. Il avait inventé cette idée de monnaie fondante. Il partait de l'idée que, on pouvait, en fait, pour que le flux tourne, hein, on parle de flux, il fallait donner un rythme à la monnaie. Il fallait imposer un rythme. Il fallait mettre le curseur du roulement, de l'enroulement de la monnaie. Et donc, il avait dit voilà, à intervalles réguliers, la monnaie doit perdre sa valeur. Donc, par exemple, vous commencez avec 1000 unités de monnaie le 1er janvier. Eh bien, ça ne vaut plus que 99, 98, 97. Et si on veut que la monnaie retrouve une valeur de 100, il fallait acheter des piquets collés sur les billets pour revenir 100. Donc, la monnaie qu'on mettait dans un coffre tel quel, à un moment, perdait 1% chaque mois, tac, 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 tac. Et on devait aller dans un organisme central, acheter des timbres pour coller sur le billet pour lui refaire faire sa valeur de 100. Et donc, ça, finalement, la monnaie perdant 1% de sa valeur, il était parti de l'idée que ça allait faire rouler la monnaie un rythme qui allait être imposé. Si, par exemple, l'État disait à un moment, je veux plus d'activité économique, ben, l'État décidait, voilà, la monnaie va perdre 5% de sa valeur par mois et pas 1. Alors, les gens disaient, il faut que je dépense. Et donc, la plupart de ces monnaies, pour qu'elles tournent, doivent avoir une limite, une date d'expiration, ou perdre leur valeur. C'est un peu les tickets sandwich, hein. Vous savez, quand on a une sandwicherie, parfois on a un cachet tous les jours, puis on a un sandwich gratuit après, quand on en a 12 ou 10, qu'on a acheté. Mais bon, le problème, c'est que ça a une date de validité. Si on a 10 ans après en disant, tiens, voilà mon ticket, je veux mon sandwich gratuit, il y aura une date d'expiration, et de toute façon, ils sont tombés en faillite. C'était un grand débat pour les Miles aéroports, d'ailleurs, hein, parce que les Miles, il y a eu des procès en Allemagne. Quand Lufthansa a voulu donner une date de péremption à ces Miles, il y a des gens qui ont fait un procès en disant, mais il n'y a pas de raison, ils ont fait une paramonnaie et autres. Voilà. Et donc, les monnaies à Wallonne, ce sont des monnaies que je qualifie vertueuses. C'est-à-dire, ça part de l'idée que on va, pour un travail, par exemple, je nettoie bien mon trottoir, je rejoins toi mon trottoir, je fais une belle façade, je mets des fleurs, je repeins ma porte, je pose un acte citoyen, je reçois une monnaie que je peux utiliser, que je ne peux utiliser que dans certaines affectations. Par exemple, acheter des biens collectifs positifs, des engrais parce que j'ai un jardin. C'est un peu le. Il y a eu ça à un moment. Moi, j'avais reçu, je me suis acheté un employeur, des titres qui me permettaient d'acheter des ampoules basse énergie. Et donc, je pense que c'est une certaine logique. Le problème, évidemment, c'est qu'à un moment, des gens se disent mais pourquoi compliquer les choses? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas au gars qui nettoie son trottoir ou met des fleurs devant son entrée? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas directement des euros? Alors, c'est vrai que c'est plus facile, mais alors, ça veut dire que les euros peuvent être utilisés à n'importe quoi et pas uniquement à des actes vertueux. Donc, moi, je crois fort à ce genre d'initiatives. Elles sont toujours très, très limitées. Mais c'est intéressant, en fait. Moi, je trouve ça intéressant. On pourrait très bien imaginer que dans un quartier, on fasse une monnaie. Par exemple, voilà, si imaginez qu'on est dans une rue, un quartier, on fasse un marché avec nouvelle monnaie. C'est aujourd'hui qui vais balayer le trottoir, je reçois cette monnaie. C'est moi aujourd'hui qui vais arroser le jardin des autres, je reçois, je passe une heure à faire ça, ou je vais planter une tulipe, que sais-je, je reçois une monnaie, mais en contrepartie, je peux demander quelque chose d'autre. Par exemple, j'ai des enfants, je peux demander à mon voisin de les garder pendant une après-midi. Ou bien, je peux demander à mon voisin, moi qui suis justement, parce que je marche avec une canne parce que je me suis fait opérer du genou, ben de m'aider à rentrer dans ma voiture, je lui donne de la monnaie. On peut créer comme ça des services d'usage. Et en fait, en fin de compte, on retrouve la genèse de la monnaie. C'est la monnaie, ça devait être à la base, sauf que c'était pas vertueux. Et puis elle a commencé à s'imposer, à se diffuser géographiquement, comme quand j'en parlais
tout à l'heure. Voilà. C'est un peu ça l'idée, quoi. Et oui, là, donc, par rapport aux crypto-monnaies, donc, on sait qu'il y aura un stock qui va être limité. Comment, en fait, la crypto-monnaie, finalement, ça va pas forcément s'évaluer, ça n'a que de la valeur, puisque les gens vont commencer à gérer. Tout dépend de la conviction qu'on donne à la monnaie. Le problème d'une monnaie qui n'est qu'un stock, et qu'on peut utiliser que le stock, qu'on ne fait pas de flux monétaire, c'est qu'elle est un peu stérile. Elle ne fait pas de petit, au sens, j'allais dire, utérusien du terme, mais. C'est une monnaie qui est plutôt une monnaie de thésaurisation. Donc, a priori, une monnaie qui ne serait qu'un stock est déflationniste, comme je le disais tout à l'heure. C'est un peu comme l'or, hein. L'or, ben voilà, l'or ne fait pas de petit, il n'y a pas des pépites qui sortent des lingots, je veux dire, l'or est ce qu'il est. Et donc, il faut avoir une conviction que ce pouvoir d'achat va être maintenu dans le futur. Et ce n'est jamais acquis. Prenez même le cas de l'or. On sait que les glaces fondent au Brundtland, et on suspecte qu'il y a beaucoup, beaucoup de métaux précieux au Brundtland. Donc, peut-être que quand toute la glace aura fondu, on va trouver, ben, je ne sais pas moi, des champs d'or. Ben, ce jour-là, le cours de l'or s'effondre, parce que le stock a augmenté. Donc, il faut qu'une monnaie ait une amorce. Il faut qu'elle tourne. Sinon, la race s'éteint. Oui. Ouais. Mais on le voit, hein, de toute manière, Marc, hein, à chaque fois, tu le dis toutes les semaines, que finalement, le marché, on le voit bien sur, comment ça s'appelle? C'était Coin Market, que ça tourne, notamment les stablecoins. Les volumes sont hallucinants, quoi. Je dis qu'il faut faire très attention et bien faire comprendre aux gens que les crypto-monnaies, il y a une technologie qui est en dessous, la technologie de la blockchain et la DLT. Ouais. Donc, dans les crypto-monnaies, les gens disent, on ne peut pas payer en Bitcoin. Ben, dans l'absolu, je ne vois personne utiliser une action Microsoft pour aller chez le boulanger. Mais la différence, c'est que le Bitcoin peut être changé instantanément dans un euro. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, voilà. Dans un Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est très juste, c'est ce que Marc dit, est tout à fait correct, c'est qu'en fait, le Bitcoin vit sa vie autonome. Mais en fait, donc c'est un stock, mais le flux doit pas. C'est complété par le flux de l'euro. Et le multiplicateur se met en route. Exactement. Et donc, il y a une. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Si dans le monde aujourd'hui, imaginez qu'à un moment on dise l'euro disparaît, tous nos portefeuilles se vident, nos comptes bancaires se vident, et qu'on a des bitcoins à la place, dans les mêmes parités, ben le flux sera en bitcoin et pas en euro. Donc, en fait, il y a une complémentarité entre les bitcoins et l'euro, puisqu'ils ont, en fait, des cycles de vie différents. Mais cette complémentarité, donc, c'est pour ça que bah, les banques commencent à investir et à acheter des crypto-monnaies. Oui, tout à fait. Marc, est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce qu'on arrive au terme de notre demi-heure de live des cryptos. Je tiens à remercier le docteur et professeur et ami Bruno Coleman de d'avoir participé à cette émission, d'avoir pu éclairer différentes personnes au niveau de l'histoire de la monnaie, de l'avenir de la monnaie. J'espère que nous aurons l'occasion de parler un peu plus longtemps la prochaine fois de l'avenir des Central Bank Digital Currencies, S1. Ouais. Comment les banques vont-elles pouvoir vivre avec un euro digital qui fonctionne sur la technologie de la blockchain? Absolument. Être indépendant. Ce sont les questions véritablement des 5-10 prochaines années. Oui. La personne la mieux placée pour pouvoir y répondre. Non, c'est passionnant. Et on n'a pas fini de voir des soucis, des trucs au niveau monétaire. Hein. Parce que je parlais de la confiance tout à l'heure. Et moi, j'ai une pensée qui me hante. Mais bon, je suis un homme, je pense, un tout petit peu génétiquement inquiet. Et animé comme ça par des cauchemars intellectuels. C'est que si à un moment, dans les élections américaines commencent à merdouiller complètement. Il n'y a pas de raison de penser qu'elles ne merdouillent pas. La confiance dans le dollar peut commencer à chuter. Donc, le dollar vaudra moins. Tout à fait. Parce que le dollar, c'est un acte de foi. De nouveau, je fais une référence biblique, c'est un acte de foi. Finalement, quand on va dans une église, un temple, que sais-je, il faut y croire. D'ailleurs, c'est pour ça que les bourses ressemblent à des temples et des colonnes, parce qu'on négocie l'avenir. Hein. On négocie la mort, on négocie l'avenir, on négocie le futur. Donc, tout ça est basé sur la conviction. Voilà. Je vais vous laisser malheureusement parce que. Il est 13h. Rendez-vous qui commence à 9h, il est 1h. Merci beaucoup.
À bientôt. Merci, c'est un plaisir. Ce mot de la fin. Merci aux personnes qui m'ont écouté. Je ne sais pas combien il y avait de personnes qui écoutaient, en fait. Il y avait combien de personnes? Je ne sais pas si on a regardé les statistiques qu'on a demandé à Sacha, mais comme on est aussi en live sur YouTube et Facebook, à chaque fois, ça se cumule et donc, du coup, on laisse vivre cet enregistrement. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir. Et à bientôt. Et sinon, pour les autres, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'actu des cryptos. Bye bye. Au revoir.